Bonjour tout le monde, bienvenue au StarCraft Québec Open. Cette partie-là va être entre moi, Tido, et mon adversaire Yoshi. Protoss contre Terran. En fait, c'était Protoss contre Random, mais cette fois-ci, ça va être un Terran, je ne sais pas encore. Je vais essayer de casser cette partie-là comme si je savais pas qu'est-ce qui se passait, mais je vous avertis, ça va être une très bonne partie. Et je suis dans la partie, je sais que je suis nerveux, c'est drôle comme ça rend nerveux les tournois, c'était mon premier tournoi. Et c'était en fait ma première partie du tournoi parce que dans la ronde de 32, mon adversaire, c'est pas... Il y a pas de foule qui nous encourage en arrière. Bon, c'est drôle, il y a du monde qui doit regarder en ce moment. Mais c'est drôle, ce que je disais, c'est que j'ai pas joué dans la première ronde parce que mon adversaire s'est jamais manifesté, alors il a été disqualifié. Même chose pour Yoshi, alors on a eu tous les deux droit à une passe droite à la ronde de 16. Alors on va voir qui va réussir à passer à la ronde de 8 avec ce match sur la carte Destination. Pensant là, Yoshi qui commence à faire son wall ici avec un petit supply depot. C'est toujours intéressant. Contre des Protoss de faire des walls. Pendant ce temps-là, j'ai fait mon Parlin à 9, très standard. Là, j'ai 12 de supply. J'ai un autre probe en liste. Alors, ça va sûrement être une gate à 13. Alors, un build très économique. Et voici mes minéraux qui commencent à monter. Et voici la gate à 13. Pendant ce temps-là, la baraque, on n'a pas vu l'arrasement ici. J'ai essayé avec le probe de tuer le CV. Malheureusement, il aurait piqué avec deux CV de renforcement. Il a réussi à m'avoir pendant que j'essaie de faire mon macro dans ma base. Alors, un petit mauvais temps de réaction de ma part. Quand le probe est bloqué, il faut tout le temps faire un right-click sur les minéraux pour le débloquer. Pour pas qu'il soit encerclé. Et voici mon accélérateur à 14. Et pendant ce temps-là... un autre supply depot pour compléter le mur. Et Yoshi qui a déjà eu sa raffinerie. Deuxième Pylon à 15. Pas trop d'action en ce moment. On est juste en train de pomper nos unités initiales. Et un Marine qui s'en vient pour Yoshi. Oh, le mur ici qui semble pas être complété. Il va avoir besoin d'un autre supply depot à côté de ça. Cybernetic Score ici. Alors, on s'en va vers la technologie. Aucun Zealot ici qui est pompé. Ça, c'est parce que souvent, contre les joueurs Terran, on préfère pomper un Stalker en premier, soit pour se défendre contre les Marines, ou les Zealots sont souvent pas très efficaces contre les unités qui ont du range. Alors, parce qu'ils ont juste besoin de danser autour de nous et on va jamais arriver à les toucher. On va juste perdre toutes nos Zealots. À moins qu'il y ait un bon support de Stalker derrière. Alors dans ce temps-là, les unités avec le range ont moins tendance à danser, comme je dis. Et voici la deuxième gate qui s'en vient, et le deuxième Assimilator. Pendant qu'on continue à pomper les probes, ça va être... j'ai pas déjà un Stalker? Ok, le premier Stalker qui s'en vient. Pendant ce temps-là, 3 Marines dans la base de Yoshi, et le Factory. On dirait qu'il s'enligne pour un build 1-1-1 ou le Destiny Cloud Fist. Je me sens que c'est le même que Husky appelle ça parce qu'il déteste appeler ce build-là 1-1-1. Alors moi je pense que je vais continuer à l'appeler 1-1, ça fait plus de sens. Alors voici le Star... oh non, c'est 2 Factory, alors c'est pas le 1-1-1. Excusez-moi de vous avoir induit en erreur, ça va être 2 Factory, alors un build de mec ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Gate et 2. Pylon, je suis side-blocked. Prenez pas exemple sur moi, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, obligé de sortir 2 Pylon très rapidement. Pensez que ce qui se passe ici, j'ai un probe qui s'en va faire un Pylon derrière la base de Yoshi. Ici, les rushs qui peuvent être très intéressantes. Soit ça peut aider à cacher son armée ou faire des storms ici. On peut se tomber très facilement sur l'expansion naturelle, comme on a vu dans la partie de Milky contre. Au soup, est-ce que c'est ça? Je suis plus trop certain, mais en tout cas, allez voir dans la première ronde, je sais qu'il y avait Milky dans cette partie-là. Et puis, il y a eu des très bons storms, des très belles nukes. Et puis, ça va être quoi ici? Ça va être un Stargate, alors ça va être des Void Ray probablement, parce que des Phoenix seraient pas vraiment efficaces ni intelligents contre un joueur Terran, à moins qu'on veuille lifter des tanks. Mais là, pourquoi je l'aurais bâti en proxy, j'ai aucune idée. Alors, spoiler, ça va être des... non, c'est même pas des spoilers, on peut le deviner tout de suite. Ça va être des Void Ray. Alors, pendant ce temps-là, on continue à pomper des Marines à partir d'une seule baraque, et des tanks et Hellion. Pendant ce temps-là, la base principale, 3 Stalkers. Et 2 Sentries, histoire de bloquer la rampe plus facilement. Un petit aussi, après la partie, Yoshi m'a dit que quand il a vu
quand il a vu que je chronoboostais mon Warpgate Technology ici, il s'est dit dans sa tête, c'est clair qu'il s'en vient pour un 4 gate, que je vais essayer un 4 gate push. Il a sûrement jamais vu la 4ème gate, c'est parce que je cachais ma technologie en arrière. Alors ça peut mélanger des fois son adversaire. Et Yoshi qui a toujours pas complété son mur ici, il reste encore un espace. Je sais pas pourquoi il a pas voulu faire son mur au complet, mais c'est pas tellement grave parce que les joueurs Protoss vont pas tellement utiliser les run by comme un joueur Zerg pourrait le faire normalement. Par ça là, le premier Void Ray qui est terminé. On va en faire un deuxième tout de suite avec des bons chrono boost. Alors je voulais pas révéler mon premier Void Ray, je pense que j'ai voulu y aller à deux. Comme ça on va pouvoir surprendre plus l'adversaire. J'ai eu peur pendant l'instant, je me demandais si j'avais oublié ce que j'avais fait. Et voici d'autres aliens qui s'en viennent. Alors, seulement un petit paquet de marines, 6 marines, ça va pas faire beaucoup contre 2 Void Ray. On va voir s'il va réussir à résister à la pression des Void Ray tout de même. Alors, il me reste un peu de chronobou. Je devrais en pitcher un dernier sur le Stargate. Et non, le Void Ray va terminer naturellement. Et voici l'expansion, mon expansion. À la base principale, j'ai toujours mes sentries, ma petite armée ici. C'est pas grand chose, mais ça saurait faire la job avec, surtout avec des force fields, histoire de gagner un peu de temps. Les Void Ray ici qui tournent un petit peu en rond, ils savent pas exactement où ils veulent s'en aller. Et ils devraient se lancer tout de suite à l'attaque, sinon ils vont perdre leur avantage d'avoir un proxy. Et voici, ils se mettent à travailler sur le supply depot. Et les Marines qui viennent se lancer à l'attaque. Je sais pas pourquoi ils ont tiré sur la roche. Et les, regardez bien, les Void Ray qui se chargent sur les roches. Et maintenant qu'ils sont chargés, ils vont pouvoir se lancer à l'attaque du supply depot qui brûle immédiatement. C'est instantané à quel point ça brûle des buildings quand il y a des Void Ray chargés. Et voici la baraque qui s'en vient se faire prendre ici. Est-ce qu'elle va brûler? Et les Aliens qui sont à l'assaut. Pendant ce temps-là, les Void Ray qui vont continuer à travailler sur les supply depot. Et la baraque ici qui va reculer histoire de se faire réparer par le SCV. Pendant ce temps-là, les Zordians qui s'en vont attaquer, harasser les minéraux. Et les Void Ray qui continuent à tirer sur les supply depots. Malheureusement, un Void Ray n'est plus chargé. Et j'avais aperçu les aliens qui s'en allaient. Alors je l'ai intercepté avec mes stalkers ici qui sont sur la rampe pour empêcher tout alien de rentrer dans ma ligne de minéraux. Et pendant ce temps-là, tous les supply depots qui étaient ici ont été démolis par les Void Ray. Yoshi qui est vraiment pris à dépourvu ici, qui va se mettre à continuer à pomper des marines. Il s'est fait une nouvelle baraque et malheureusement, il est side-block qui va pas arriver à sortir le nombre de marines qu'il voudrait sortir parce qu'il doit battre beaucoup de supply depots pour réussir à survivre dans la production. Pendant ce temps-là, les Void Ray qui ont replié, ils ont fait beaucoup de dommages, aussi bien restant dans le coin. Et voici, je me mettais à attaquer la roche ici parce que j'arrivais avec toute mon armée et mon seul proxy paralune est en arrière ici. Alors, histoire de pouvoir warper des unités, voici deux zélotes qui s'en viennent pour être prêts à me lancer à l'assaut. Malheureusement pour moi, il y a trois tanks ici qui bombardent mon armée. Je m'en rends compte un petit peu trop tard, j'ai eu quelques dommages. Et voici quelques zélotes qui sont prêts à monter, mais après avoir vu les tanks, j'étais très hésitant à me lancer à l'assaut. J'ai l'avantage, j'ai ma base ici. Aussi bien ne pas flamber cet avantage, surtout avec les Hellions auraient tout brûlé mes zélotes et les tanks auraient détruit mes Stalkers possiblement, à moins que les Void Ray réussissent à tuer les tanks en premier, mais ça serait c'est très dangereux. Mais histoire de retarder le plus possible l'expansion du joueur Terran, c'est toujours bien de rester ici et seulement camper. C'est pour le garder en captivité dans sa base pour pas qu'il sorte. Pendant ce temps-là, les Void Ray qui vont un petit peu de côté voir s'ils peuvent s'attaquer aux tanks. Des tanks qui sont enlevés de leur siege mode pour pouvoir se sauver justement. Ils devaient anticiper ce move-là des Void Ray. Les Void Ray qui vont pas réussir à faire de dommages cette fois-ci. Et voici, c'est un repli de mon armée. J'ai décidé de pas aller de l'avant. J'ai retardé l'expansion, ça c'est sûr. Et j'ai ma propre base qui pompe beaucoup de probes en ce moment. Les deux Nexus qui pompent des probes avec des chrono boosts. Alors je vais avoir une très bonne économie contre le joueur Terran. Le joueur Terran qui a caché son expansion ici, Yoshi, qui s'est sneaké un command center dans le coin ici. Je pourrais aller le prendre avec mon armée très facilement. Cependant, j'ai aucune idée que cette